Et salut à tous, et on se retrouve sur Son of the Forest. Alors, de toute évidence, c'est pas une. Oh, et les coffres sont encore revenus. Bon, ça c'est quand même. C'est un peu pété, hein. Déco reco, et on se refait full stock. Merci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même déménager. On va pas rester ici. Je pense que c'est un petit peu stupide de s'implanter ici juste à côté de. Ah, il m'en restait plus, ça. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais. Parce que je suis pas certain que je puisse. Voilà, tout à fait. Donc, je peux pas. Là, je suis plein. Je peux pas le démonter, en fait, ce truc. Ah, voilà. Et voilà, tout est perdu. Ouais, bon, tant pis. Au moins, ça m'a permis. Bon, c'est correct, elle va chasser l'écureuil. Au moins, ça m'a permis. Alors, ça, je vais évidemment faire le stock. Donc, je vais ramasser tout ce que je peux ramasser. Tant pis, hein. Je pourrais pas tout prendre, évidemment. Il y en a qui vont rester ici. Ça m'aura permis. Oh, ouais, d'accord. Et l'autre, il revient là-bas. Je pense en plus de ça que je sais pas pourquoi, mais je. Ah, Kelvin se réveille. Ouais, je l'ai vu. Je pense que c'est peut-être aussi un système qu'ils ont mis en place. Le fait. Ah, ben il a eu peur de Kelvin. C'est peut-être un système qu'ils ont mis en place, le fait de faire popper beaucoup d'indigènes ici. C'est pour t'obliger à bouger un peu de zone. Je pense que ça a du sens. Bon, il s'en va. Oui, là je tombe briquet, ça c'est pas très utile. Alors j'ai remis mes touches. Alors ça c'est mon GPS. Ça c'est la touche du talkie-walkie, mais je l'utilise pas encore. Bon, je peux pas afficher la carte évidemment en entier. Attention, Kelvin, tu vas tomber. Je peux pas afficher la carte en entier, donc je ne sais pas vers où on va aller. Moi j'aimerais bien m'implanter en fait près d'une côte parce que ça fera moins. Ça fera moins d'endroits à surveiller si jamais on se met. Attends. Mais il était là il y a 3 secondes. Bon, en même temps, elle va très vite, hein. Ça fera moins d'endroits à surveiller si jamais je me mets le long d'un cours d'eau. Donc je ne sais pas, on pourrait peut-être aller là-haut. Essayer de voir. Bon, par là, on ne sait pas trop ce qu'il y a. On m'avait dit aussi d'embarquer du tissu pour faire du. Vous savez quoi, on va dormir. Hop. J'ai changé. Quoi? Comment ça? C'est quoi ce bruit? Pourquoi ça fait tonhomme? C'est quoi? C'est le jour se lève, ça fait toujours comme ça? Bon, ouais, je sais, Kelvin, il a pas l'air de vouloir partir ben. Ah non, on a. Pas pu passer la nuit, je pense que c'est parce qu'il y a un ennemi. Ouais, mais ah, bah oui, mais mon grand là, ah, il va se relever. Non, il se relève. Mais c'est quoi ce bruit? Ça suffit, ça suffit. Je pense que j'ai pas pu passer la nuit parce que l'ennemi était dans les parages. Je pense que c'est ça. Et là, je crois qu'on va pouvoir dormir. Voilà, c'était exactement ça. C'est pour ça. Je crois que je me suis fait réveiller par un ennemi qui s'approchait. Très bien. Bon, bah, c'est pas grave pour ces fleurs. On verra à l'autre place ce que ça fait. Je vais faire mon stock de plumes aussi. Je devrais peut-être faire un stock de flèches. Alors, ah, je peux pas. Je suis peut-être au. Ah ouais, je suis au max, je pense, au niveau des flèches. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre? Ah ben non, du coup, je vais manger un peu. Bon, tant pis, il y aura 3 morceaux qui pendouilleront. Voilà, là, je suis full. Je vais boire un petit peu. Et puis, on va partir. On va partir. De toute façon, je pense que j'ai tout embarqué, hein. Je pense que j'ai vraiment tout ramassé. Ah, il y a quelques boîtes encore qui sont fermées. Des cartouches. Ah, c'est peut-être fait exprès aussi qu'il fasse repopper les boîtes. C'est pour que tu manques jamais de stock. C'est peut-être ça.
Bon bah ça tant pis hein. Ça. Ah mais attends, X. Ah ouais, ah ok, il fallait. Ah, il fallait que je. Il fallait que. Comment? Si je ne le termine pas, en fait, c'est bon, je peux le récupérer. Mais une fois que c'est fini quoi. Je peux plus le construire. Ok, bah c'est pas grave. Bon bah on va demander à Kelvin de nous suivre. Il est où Kelvin? Il est où Kelvin? Il était là il y a 3 secondes. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que. C'est aussi un truc que je me demande, c'est si je ne lui dis pas de me suivre et que je pars me. Voilà, il est là. Si je ne lui dis pas de me suivre et que je lui dis que je lui dis juste rien. Voilà, suis-moi. Est-ce qu'il va rester ici genre indéfiniment? Alors, je reste là et puis c'est tout. Bon. Bah, on le saura peut-être à un moment donné. J'avais capturé quelque chose moi ici? Absolument pas. C'est l'ennemi à mon avis qui a déclenché le piège. Ok, donc on va partir vers la côte et on va regarder un peu ce qu'on peut avoir. On pourrait partir vers le point rose. En plus, il y a l'air d'y avoir une. Je sais pas si vous voyez en haut, tout au nord, il y a l'air d'y avoir une petite petite plage. Ce serait peut-être intéressant de d'y aller. Je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est safe, mais on va voir, on va voir. Pourquoi il y a un tracé rouge, bleu, pardon. C'est quoi, c'est le chemin que je fais? C'est Kelvin qui laisse des petits cailloux. Oh, Kelvin qui est, ouais, il a rencontré un arbuste. Je ne sais pas si je peux indiquer des choses aussi sur le. Oh, une tortue. Elle a l'air tranquille. On va la laisser en paix. Je ne sais pas si je. Ben oui, ça c'est le campement où il y avait les décorations épiques. Et évidemment, les choses ont repopé, donc ça c'est vraiment très bien. On va les relooter évidemment. Si le jeu a prévu que ça se. Voilà, si le jeu a prévu que ça revienne comme ça, on va pas. On va reprendre sa balle de golf, hein, parce qu'on ne sait jamais, hein, si jamais on s'ennuie. Ah, j'ai trouvé un ouvre-boîte. Ah, d'accord, il me fallait l'ouvre-boîte pour ouvrir les boîtes de conserve. Très bien, je ne l'avais peut-être pas vu la première fois. Ça, c'est pour faire des cocktails Molotov. Ah, ça, c'est une corde et ça, c'est toujours très intéressant. Ah, les montres, c'est pour faire des. Ouais, il me manquait un peu. Les bombes à retardement, je pense. Nouvelle instruction d'artisanat. Ah, une bâche, ça c'est bien. C'est pour faire les abris. Ce qui va me permettre peut-être de. Oh, mais c'est en bas, en fait, c'est vachement plus grand. Oula, attention, il y a de l'eau. Allez, on va contourner ça peut-être. Non, je sais pas trop si les dégâts sont grands quand je tombe. J'imagine que oui. Donc on va aller. Ouais, il y a une petite plage là-bas. On va aller à la petite plage. On va voir si on peut implanter notre maison et on va faire un truc quand même digne de ce nom. Puis on commencera peut-être à arriver à faire des pièges et des trucs comme ça. Parce que si jamais les indigènes pop à la même vitesse qu'ils ont popé dans le dernier épisode. On risque de passer, dès qu'on va être à la maison, en fait, on risque de passer tout notre temps à se battre. C'est pas l'objectif. Petit lag, un petit freeze. Tout cas, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Alors, ouais, effectivement, il y a des sentiers. Quand même marrant qu'ils aient fait des sentiers sur cette île parce que ça a l'air totalement d'être une île abandonnée. Donc, moi, j'irai à gauche, j'irai dans la petite. La petite plage là. Bon après c'est pas nécessairement la maison de base hein, de toute façon ça, on va sûrement la déplacer. De toute façon le jeu va être long hein. Je sais que il peut se terminer en une dizaine ou une douzaine d'heures. Bon allez, nous on n'est pas là pour rusher de toute façon. Puis c'est un jeu qui à mon avis va être beaucoup mis à jour au début. Alors. Au moins, il n'y a pas trop d'ennemis. Pas trop d'ennemis sur le chemin. Des petites myrtilles. Ça fait plaisir. Hop. Allez. On progresse, on progresse. On avance.
Je trouve que ça va au niveau de la nourriture et de la soif, ça descend, mais ça descend tout doucement. C'est vraiment gérable. Et tu peux faire quand même pas mal de stock et tu le fais quand même très rapidement. Allez, on va arrêter. Oh là là, ils ont mis le point rose dans l'eau. Mais vraiment dans l'eau, hein. Vraiment au milieu de l'océan. Ça, c'est... Bon, est-ce qu'il faudrait que je fasse un radeau pour aller le chercher, lui? Ou je le fais à la nage? Est-ce que je peux nager de manière indéfinie ou je vais couler à un moment donné si... Kelvin, il suit toujours? Oui, il suit. Est-ce que je vais couler par manque d'endurance? Parfait. Donc là, on arrive à la plage. C'est mieux, ça va être dégagé. On va avoir une meilleure vision. Ouais, mais alors, où est-ce qu'ils ont mis le point? Ils l'ont mis tout là-bas, tout droit. Alors ici, est-ce que je me fais mal? Non, ça va. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Ah, mais c'est ça le petit point? Non, c'est pas ça. Il y a un petit truc rouge là-bas. Il y a un radeau. Ah, mais il y a des choses là, c'est quoi ça? Je peux pas les détruire. Ça a l'air joli, mais le problème c'est que si je me mets là, je vais quand même être loin. C'est quoi ça? Le radeau, c'est le point? Non. On va s'approcher un peu, on va regarder ça d'un peu plus près. Bon, ça va. Kelvin découvre la plage pour la première fois, il s'amuse comme un petit fou. Je sais pas si c'est ça le point rose, le radeau là-bas. Ça a l'air d'être ça. Ah tiens, il y a de la musique ici. Ouh, ok. Ah mais c'est un copain soldat. Rail de pistolet. Oula. Rail de pistolet. Mais il est où ton pistolet? Parce que les munitions, c'est bien. Ah oui, d'accord, il était stuffé quand même. Il était stuffé. Mais alors, t'as mis où le pistolet? J'espère qu'il est pas là-bas. Ouais, ça j'en ai déjà. De l'argent. Parce que peut-être. Tu peux pas prendre ton sac. Je prends sa montre. C'est vraiment horrible le loot. Ouais. Ah, une bâche, ça c'est bien. Fil, barre énergétique, tout ça c'est très très bien. Ouais. Donc j'ai trouvé les munitions de son pistolet, mais j'ai pas trouvé son pistolet. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Le truc rouge là-bas, c'est le. Oh, il y a une pagaie. Je peux pas la ramasser. Ça a pas l'air loin, mais c'est loin. Et je sais pas ce qu'il y a dans l'eau. Moi j'ai la pétoche. Moi j'ai la pétoche. Alors où est-ce qu'on s'installe? Est-ce qu'on s'installe ici? Est-ce qu'on se mettrait pas plutôt là-bas de l'autre côté? Est-ce que je peux ranger mon. Attendez, je vérifie les nouvelles instructions. Aliments pour chat. Ok, donc c'est quoi? C'est les conserves? Les conserves et ça? Mais là, tu l'ouvres, tu vas la manger tout de suite? Oula. Ah, c'est bien dit. C'est. Aliment pour chat. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a une espèce de. Ah ben ils l'ont tous. Ah, attendez, je viens de me demander. Je me demande un truc. Oh d'accord, ok, je peux les mettre en raccourci. Bon, je viens de le voir. Ça, attendez, ça va être beaucoup plus simple de faire ça. Je vais peut-être pas le faire pendant l'épisode. Je vais faire ça entre deux épisodes. Donc on peut mettre des raccourcis comme ça. Bah oui, bah, ça va être beaucoup mieux alors. Ça va être beaucoup mieux. J'avais vraiment peur parce que je regardais dans les bins de touche et je voyais hotkey et je me suis dit mais oui mais d'accord mais les raccourcis ils sont où? Je viens de comprendre, je viens de comprendre. Bon.
ça va être beaucoup plus facile comme ça pour sortir les armes plutôt que de toujours aller dans le sac ici là. Ça, je vais pouvoir binder mes touches plus rapidement. Ça va faire des combats un peu plus dynamiques aussi parce que sortir le. Alors, Kelvin est même pas trop low, apparemment, il contourne. Et évidemment, je peux pas lui demander, lui, d'aller dans le bateau. Hein. C'est horrible. Je l'envoie en reconnaissance pour voir si lui, il se noie ou pas. Pas des choses ici? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Du pétrole? Il y a un gilet de... Il y a un gilet de sauvetage. Mais je peux pas le prendre. Une corde? C'est tout? C'est intéressant aussi de mettre la maison pas trop loin de l'eau. Ça va permettre de... Ça va permettre de au moins de boire assez rapidement. Alors, est-ce qu'on fait ça ici? Parce que si je fais ça ici, il va falloir aller chercher le bois. Il faut... Bah oui, il y a un truc de bois juste à côté. Ça me semble bien ici. Hein. De toute façon, comme j'ai dit, on peut... attendez, je... Voilà. On peut changer en cours de place si jamais ça ne... Ça ne nous sied pas. Regardez, il y a une petite plage là-haut. Ou alors, est-ce qu'on continue à explorer, en fait? On continue à explorer jusqu'à ce qu'on trouve vraiment quelque chose d'épique. Ça peut aussi être une solution. Plutôt que de... Attendez, vous savez quoi? Je suis désolé, je vais binder mes touches tout de suite. Celui-là, je vais le mettre en 1. Le flambeau, je vais le mettre en 2. L'arc, je vais le mettre en 3. Le GPS en 4. 105. Le carnet. Le carnet, j'ai jamais... Il est ici, le carnet? Oui, il est là. Le carnet, je vais le mettre en... Ah, je peux pas. Je peux pas le binder, lui. Très bien. Très bien. Bon, ça me semble ben, ça me semble bien au début. Qu'est-ce que c'est ça? Là j'ai rien dedans. Ah si, c'est les flèches stylées, ça. Carreau d'arbalète. Ah d'accord, ouais, j'ai pas d'arbalète. Ouais c'est ça, rail de pistolet. Mais j'ai pas de pistolet. Ok, donc voilà. Lance, flambeau, arc. Et ça, c'est le GPS. Très bien. Très bien, très bien. Donc, ça, c'est un peu mieux comme ça. Un petit peu. Bon, on va continuer à... Ouais, on va continuer à voyager un petit peu. On va continuer à regarder. Parce que c'est vrai que si je m'implante tout de suite ici, je vais peut-être... Oh, il y a des choses là-bas. Attendez. Ah, ça a l'air encore des sculptures qui te disent bonjour. Bienvenue. Un poisson mort, une ficelle. Je sais pas combien de ficelles je peux prendre. Alors, ils ont sûrement fait des vilaines choses et ils l'ont mérité. Voilà. Encore un poisson mort. Oui, 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 oui. Alors, je ne sais pas si on peut construire des radeaux dans ce jeu, mais je crois que je vais attendre d'avoir un radeau avant d'aller. Regardez, il y a une autre plage là-bas. Est-ce qu'on n'irait pas dans cette plage-là? Il est où Kelvin? Kelvin me suit toujours, c'est bien. Tant que je reste en mouvement, j'ai l'impression que je suis pas trop dérangé. Faudra peut-être... On va suivre le chemin. Faudra peut-être faire une tente. Parce que je vais essayer d'éviter de me balader la nuit. Ah, c'est vraiment beau. Hein. Franchement. Et encore là, les graphismes sont en moyen. Je pourrais les pousser un peu plus, mais j'ai vraiment peur qu'on perde en fluidité, donc bon, je préfère pas. Alors. Ah, il est essoufflé. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y a une petite barre d'endu. C'est bon. Il me suit toujours. Pas que je l'oublie sur une plage. Encore une petite plage. Je regarde quand même hein, parce qu'apparemment il faut ouvrir l'œil. Il y a des choses, il peut y avoir des choses abandonnées. Alors où est-ce qu'on va?
parce que moi j'aimerais bien longer en fait pour arriver à l'autre plage. J'ai pas envie de retourner. Au pire, on peut aller à l'autre point rose, hein. Je ne sais pas ce que c'est les points roses. Est-ce que c'est des trucs optionnels? Alors je me doute qu'il va falloir fouiller un peu la map pour genre la première porte que j'avais et j'avais pas la carte. J'imagine qu'il va falloir la trouver la carte quelque part. Si ça se trouve, elle était juste à côté de la porte, je l'ai pas vue. Mais c'est pas grave, on va fouiller, on va explorer, on finira par tomber dessus, même si on met une dizaine d'heures, c'est pas grave. Toujours pareil, hein, je vais pas aller voir les solus. On va fouiller, on va trouver par nous-mêmes. Je trouve que c'est beaucoup plus marrant comme ça. Puis c'est beaucoup plus jouissif de se stuffer comme ça plutôt que d'aller voir à quel endroit sont les armes les plus pétées du jeu. Au moins on est heureux quand on tombe dessus. Alors, donc on est sur la petite plage et c'est exactement la même plage que là-bas, sauf qu'elle est un peu plus petite. On peut faire le tour, hein. On peut faire le tour, on s'arrêtera en mi-chemin quand la nuit tombera et on se fera une. On peut se faire une cabane. Mais je ne peux pas boire cette eau-là, on est d'accord. Hein. Oui, c'est ça c'est de l'eau de mer, donc je ne peux pas la boire. Il faut que je trouve un endroit où il y a un ruisseau. Il faut que je trouve un endroit. Donc il va falloir qu'on s'implante à côté d'un endroit où il y a un ruisseau. Puisque bien évidemment ça c'est de l'eau de mer. Après on aura peut-être un attirail pour chauffer l'eau. Un petit peu comme dans Raft. Plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard. Ah, la dégaine classieuse de Kelvin. Ouais, on peut longer. Ouais, c'est encore long, hein. On peut longer. Je vais voir si je trouve pas. Sinon, on retourne en arrière, là où il y avait le ruisseau. C'était pas un mauvais endroit. Bon, il y avait quelques cadavres sur la plage. Mais bon. Faudrait que je retrouve un. Une place où il y a le point rose qui est pas loin d'ici. Donc, si on peut trouver là un premier endroit, faudrait que ça soit quand même une surface assez dégagée. Ouais, je commence à avoir un peu soif, un peu faim. C'est difficile de savoir exactement la taille de la carte, étant donné qu'on a juste le petit. On a juste ça, donc on sait pas. Ah, regardez, en haut là-bas, il y a l'air d'y avoir une plage un peu plus grande. On va y aller. Je garde mon arc parce que je sais pas, hein, s'il y a un truc qui déboule de la forêt, je préfère quand même avoir de quoi le tenir à distance. Même si j'ai l'impression que les monstres les plus méchants se trouvent dans les grottes. Ouais, vous voyez, il y a une espèce de. Bon, alors on va s'éloigner un peu du point rose, mais c'est pas grave, là. On peut voyager quand même, c'est pas très compliqué. Il y a une petite plage qui a l'air. Je sais pas si c'est celle-là qu'on voit là-bas. Non, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté de cette espèce de butte. Là, il y a une plage qui a l'air un peu plus grande. Alors, je ne sais pas. Il y a l'air d'y avoir un point d'eau aussi là-bas, en haut. En haut à droite. Je ne sais pas si on va jusque-là. Bon, il n'y a plus grand-chose, hein, sur cette plage. Tiens, on dirait que les arbres sont morts par ici. Là, c'est le printemps et là, c'est l'automne. Il y a des choses ici, on dirait un kayak. Qu'est-ce que c'est ça? Un oreiller? Un oreiller. Ah oui. Ouh. Ça c'était. C'est une méduse morte. Ah, c'était un crâne, mais je ne peux pas. Je peux pas les prendre. Ah non, je peux prendre la montre. Je peux pas prendre eux. Apparemment, ils sont plus trop comestibles. Il y a des montres partout, hein. Les gens sont morts dans d'atroces souffrances, mais au moins ils savaient l'heure. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Une tenue de camouflage! Ah non, pas comme ça.
Oui, mais moi je suis d'accord, mais je peux toujours pas la mettre. À moins qu'elle soit dans... Bah non, elle est pas dans mon sac à dos. Bah, c'est ma tenue de camouflage, oui. Bon, toujours pareil, hein. Je sais pas si je l'ai sur moi, si je la porte, j'en sais rien. Ça... Mais vous savez quoi? On va en manger, on va en manger, hein. J'ai toujours ma main en doigt. Voilà. Ça. Bah c'est tout. Attendez, il y a encore d'autres choses là-bas. On continue, on explore. C'est l'épisode de l'exploration. Et il risque d'y en avoir quand même pas mal. Boisson énergétique, ça c'est bien. Ça j'en ai déjà plus besoin. Encore, c'est bien. Bravo. Ça, je peux pas le prendre et c'est tout. Allez, on continue. On continue, on va là où il y a la petite plage. On va aller voir ce qu'il y a. Mais comme je dis, ah mais où? C'était le vent. J'ai entendu un bruit. J'ai entendu. C'est toi qui as fait Kevin? C'était le vent. Il y a une grotte là-haut. Regardez. Oh. Ça a l'air cool là-haut, ça a l'air cool, je pense qu'on va aller là-haut. La plage a l'air vraiment dégagée. Bon alors après il y a une grotte juste à côté, je ne sais pas si c'est un lieu de pop, un peu comme, comme dans Valheim, où les monstres pop aux alentours des cavernes et des grottes. Je pense pas. Je pense qu'ils pop juste naturellement dans les bois. On va voir ça. Ouais, il y a une grotte, il y a une espèce de plage tout là-haut là-bas. C'est une plage? Est-ce que c'est la même île? Je pense que oui. Je pense que oui, c'est assez étrange, mais je pense que c'est la même île. Ouais, c'était le vent, je pense que j'avais entendu. Pas de panique, pas de panique. Bon, il n'y a pas beaucoup de combats dans cet épisode, mais bon, c'est un petit peu normal. Parce que là, on se déplace, on cherche l'endroit où on va s'implanter. Ah ouais, non, mais ça continue, hein. L'île continue. Mais je sais pas. Donc là, déjà, il y a une grotte. Je me demande comment ça se fait, d'ailleurs, qu'il y a une grotte qui est indiquée là. Est-ce que de base, le jeu indique certaines grottes? Parce qu'il y en avait certaines qui étaient juste pas indiquées sur la map et que j'ai qui ont été mises sur le GPS parce que je suis passé à côté. Mais celle-là, c'est sûr et certain que je suis pas passé à côté. Ouais, regardez, il y a un petit cours d'eau. Il y a deux petits cours d'eau, pardon, qui sont là. Donc ça serait intéressant de faire notre base ici. Oula. Par contre, il y a beaucoup de vent. Mais ça, je pense que c'est aléatoire. Allez, Kelvin! Cette feuille a bugué. Ça a l'air bien ici. Je pense qu'on va, on va se mettre là. Je pense qu'on va se mettre ici. Et on va pouvoir recommencer à faire ce qu'on avait fait tout simplement près de l'hélico. Alors. On va juste s'assurer qu'on n'est évidemment pas dans un, dans une tanière. Oh. On peut pas ramasser l'étoile de mer? Non. En même temps, je sais pas ce que j'en ferai. Ça se mange pas, l'étoile de mer, ça se mange. Il y a des choses là-bas. C'est marrant, hein. Ils ont mis ça sur la plage. Je. Oh oui, d'accord, non, c'est un cadavre. Oula, deux cadavres. C'est quand même marrant, mais on dirait tous des soldats. Hein. Oh, lui est là depuis pas longtemps. Ah, je peux pas ramasser son casque, j'imagine. Non, je peux pas. Ouais, lui, il vient d'arriver. Hein. Lui, il a pris cher il y a pas longtemps. Oui, donc finalement, je ne sais pas. Est-ce qu'on se met ici? Tu sais, il y a des cadavres un peu partout. Je sais pas.
Je pense qu'on... J'ai pas fait le tour, hein. On est d'accord. Non, non. On pourrait se mettre là-bas. On pourrait se mettre là-bas parce que ici c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. On est un peu loin de tout. Bon, il y a un cours d'eau aussi là-bas, donc c'est là qu'on va aller se mettre, je pense. Comme j'ai dit, de toute façon, si je trouve un meilleur endroit, on peut se déplacer après. C'est pas grave là. C'est comme dans tous les jeux de survie, hein. On fait plusieurs bases. La première base, c'est pas nécessairement la meilleure. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah ben oui, ah non, 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 d'accord, c'est la caverne. C'est la caverne. Ah, et lui, je peux le ramasser. Oui, effectivement. Donc là, c'est la caverne. Ah non, j'ai pas mis mon. Tire, prends tout briquet. J'ai pas mis ma hache en raccourci, c'est pas grave. Ah, du coup, j'ai pris ma lance. Attends, je peux la lancer. Hein. Très bien. Très bien. Donc, on sait qu'il y a une grotte ici. Ouais. Moi, j'irai plutôt à cet endroit-là. M'a fait peur, Kelvin. Regardez, ça a l'air joli là-bas. On va aller là-bas. On va aller là-bas, mais attention, hein, le ruisseau, il est là. Donc moi, je me mettrai à côté. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une digue? C'est une digue naturelle ou alors ça a été fait par des vilains indigènes? Commencer à récupérer les bâtons parce qu'une fois qu'on va arriver sur place, on va bien évidemment commencer à faire... Ouais, non, c'est une digue naturelle, je pense. Je pense que c'est une digue naturelle. Des seaux? Et pourquoi il y a des seaux? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, non, ça c'est fait par la marée, je pense. C'est pas du tout des indigènes qui ont fait ça. Très bien. Écoutez, on est pas mal ici. On est pas mal. On va pas non plus aller trop loin, je pense. Je vais juste regarder si je peux boire dans ce petit cours d'eau ici. Je peux pas. Ah, je peux pas, j'arrive pas à ranger là. C'est vrai que j'ai mis mon truc, j'ai mis mon raccourci, mais je peux pas boire. Je ne peux pas boire, par contre. Pourquoi je ne peux, caillou. Pourquoi je ne peux pas boire ici? Faut que je remonte plus haut. Non, je pense que c'est parce que... Ouais, je l'ai mis en 1, mais en fait le problème du briquet, c'est que voilà, je l'avais mis ici aussi. Ah, en 4. Ah non, en 4, j'avais mis le... Ah. Je comprends pas, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils mettent deux fois les raccourcis. C'est quoi, c'est 5 ça? Le briquet! Le briquet, le briquet! Le briquet! Là! Parfait. Ouais, je peux pas la ranger par contre. C'est. Ok. Oui, là je peux boire, c'est bon. C'est parce que j'avais mon arme en main. C'est parce que j'avais mon arme en main, donc j'aimerais bien regarder alors. Bah, si ça se trouve, je peux boire dans la mer. Ce serait complètement stupide. Ça serait complètement neuneux. J'ai l'impression que je peux. Que je peux boire l'eau de mer aussi. Ah, attendez. Ah, là, je peux peut-être plus. Non, là, je peux plus. Là, c'est considéré comme de l'eau de mer. Très bien. Très bien, très bien. Donc, je peux à partir de... Après ces rochers, je pense. Ouais, c'est ça. Après ces rochers, je peux boire. Donc, ici, très bien. Alors, la baraque. Moi, je la ferai ici. Je la ferai juste ici.
C'est dégagé, on peut pas se faire attaquer par là. Pour une première base, je trouve que c'est pas si mal. Oh, j'ai un terrain vague ici où je peux vraiment faire des choses. On peut la faire là. L'eau est juste à côté. Tu aimes cet endroit, Melvin? Melvin aime cet endroit. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va se laisser là. Et puis, au prochain épisode, eh bien, on commencera la construction de la base qui aura un petit peu plus d'allure que notre petit bivouac qu'on avait fait à côté de l'hélico. Ça, c'est certain. Allez, on se laisse ici et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.